Yo les gars, je vous présente le sponsor de cette vidéo qui est RL Exchange. Sur ce site, vous aurez un large choix d'items sur toutes les plateformes. Alors, faites votre meilleur panier pour être le plus frais, avec de nombreux moyens de paiement, pas cher et une livraison rapide. Alors utilisez le code SHEPS pour 3% les gars. Pour tous ceux qui sont pas encore abonnés, voilà mes réseaux, les liens seront dans la description. Alors bombardez les follow les gars. Ok les gars, on fait les demandes de déban. Les amis, ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte de les faire. Alors, 1-1 FC, bon lui c'est rejeté. Là on a... Attendez, je vais commencer par les derniers. J'ai mis 10 000, go 1v1, ah nick ta mère, FDP, va sale bâtard. Les gars, c'est ban. Y a pas de débat en fait. Oui. Voilà, dégage. Alors, ça va le boss, je suis fan. Sheps repent. Sheps, t'es une grosse merde, ta daronne, elle me suce le cul. Je troll. Il est fan, mais à côté quand même. Bon, il est fan, mais quand même, je suis une grosse merde et, ça, et ma daronne lui suce le cul. Bon, c'est vraiment moite-moite quoi. C'est vraiment bon. Il est fan, mais pas trop. Ça dégage. Non, mais ça dégage. Non, mais on est d'accord. Ils avaient raison, mes modos. Ils m'ont dit, mec, tu vas voir. Tes demandes de déban, elles sont incroyables. Bah putain, c'est vrai. Je troll Osef. Hop, ça dégage. Win, tunisien, yes, t'es une merde. Banni, tu peux me remettre, s'il te plaît. Le seul unban du tribunal, alors peut-être. Apparemment, c'est le seul qui peut avoir une deuxième chance. Apparemment, c'est le seul qui peut avoir une deuxième chance. Et franchement, dire t'es une merde à un moment où je fail, tu vois, où je misclick, enfin, je kebab ou un truc genre, il fait oh, t'es une merde, tu vois, pour rigoler. Bon, ça va, ça va. Allez, c'est une ban. Alors, nous avons Mugiwa RL. Alors, lui, je le connais très bien. C'est un mec, il est, je pense que pareil, c'est un mec, il est amoureux de moi, je pense. Mais vraiment, genre, premier degré. Oh, let's go! Quel plaisir! Alors, les gars, cette personne est amoureuse de moi, je pense, littéralement. C'est à dire que voilà, c'est un mec. Il faisait que me trash talk sur mon live. Et une fois que je l'ai ban, il est allé sur YouTube commenter en disant j'espère que tu te rappelleras de moi. Et dans son titre YouTube, son nom YouTube, c'est à dire c'était Mugiwa RL tiré débanne-moi sale chien ou un truc comme ça. Genre le mec a créé un compte juste pour moi, il m'aime. Genre tu vois, mais ça. Ça c'est mes deux grosses couillasses, tu vois. Ça c'est mes deux grosses couillasses, il fait comme ça. Il m'aime, putain, il est amoureux de moi, c'est dingue. Allez, dégage. Bon là c'est full pub, c'est pas moi, c'est mon frère. Mais pourquoi vous faites tout pour être banni en fait? Genre tu peux pas juste dire excuse-moi, je recommencerai pas, j'ai merdé, j'ai été un con, je recommencerai pas quoi, excuse-moi. Non mais il a spammé trois fois quand même hein. C'est rejeté. Si c'était excusé, je l'aurais une ban. C'est bien le sexe avec ta meuf, c'est bien le sexe avec ta meuf, il écrit deux fois. Je lui ai posé une question normale, les reilles. Mais j'ai envie de pleurer. Mais vraiment, j'attire ce genre de personnes. Mais s'il vous plaît, les gars, mais dans le chat, je sais pas, mais ne me faites pas croire qu'il y a que des gens comme ça qui me regardent, c'est pas possible. C'est quoi, c'est débile. Non, mais c'est ban, ça dégage. Enfin, frère, c'est impossible de mettre plus de 1000 points, non, vraiment pas. Ouais, j'étais pas fort non plus pour être GC solo queue, c'est normal, tu te fais boost. Oh, toute ma tirière sur la win, putain, oh les prédits. Après il s'est fait bannir 600 secondes parce qu'il spammait les prédits apparemment. Et Gizmo lui a mis 600 secondes. Et il est parti insulter Gizmo en message privé, j'ai les preuves. Et il a dit aucune raison de me bannir, il a juste le seum contre moi le modo. Là il y a les logs, regardez. Regardez les logs. Enfin les logs, enfin ce qu'il a dit en privé à Gizmo. Pourquoi tu me bannes Gizmo, car tu le mérites, Madafaka je t'encule. Ta mère, petite salope, je t'encule, petite pute, viens IRL, je te gobe. Et tu crois vraiment que je vais te débannir, frère, alors que t'insultes mes modos en privé? Mais va crever. Alors, tu trade, ok, t'es nul, fils de pute. Bon, super, c'est pas très gentil. Déso, wesh, calmez-vous. Non, mais c'est incroyable. Non, mais attendez, mais j'ai l'impression que les mecs se font bannir et c'est à nous de s'excuser, quoi. Mais non, mais. Ça dégage. Mais c'est pas à moi de me calmer, c'est toi, calme-toi, frère. Yo, ça va, ta gueule. Boss. That escalated quickly. J'suis putain de mort. Toxic, ban def. En même temps, il est nul. Bon, j'ai même pas. Non, mais là, y a même pas de. Je vous fais même pas participer. Enfin, le mec essaye même pas d'être débanni. Il fait une demande de déban en disant en même temps, il est nul. Enfin, je comprends pas. Genre. T'es éclaté.
Abani, fils de chien. Bah, je sais pas pourquoi vous faites des demandes de débat, non. Vous êtes vraiment des mecs. Vous vous mettez à quatre pattes, mais quand même en m'insultant. Mais vous êtes quand même mes salopes à faire des demandes de débat. C'est ça que vous comprenez pas, genre. Oui, bah. Oh, le menteur. Oh, il y a toujours un menteur. Il y a toujours un menteur. Le gros mytho, tu vois. Le mec, c'est un gros mytho. Et là, on voit clairement ce qu'il a écrit, des propos homophobes. Il se fait bannir. Mais il sait pas que j'ai les logs. Il est con. Genre, il sait pas que j'ai les logs. Et il dit, j'ai rien fait. Attends, je vais lui mettre les logs. Je vais mettre... Ah bon ? C'est pas ce que j'ai vu. Bisous. Ah, c'est trop bien de confronter un menteur à la réalité. Oui, t'es nul, sale merde. Banni, je m'excuse, je pensais que les bots étaient partis. Quoi ? Bon, il s'est excusé. Mais c'est quoi le rapport avec les bots ? Ah, il croit qu'il s'est fait bannir par un bot ? Non mais Gizmo, c'est pas un bot, hein. Les modos, c'est pas des bots, les gars. Gizmo le bot. Je suis mort. Je suis putain de mort. En fait, je crois que mes modos, c'est des robots qui bannent automatique. Bon, je le débanne. Jamais. En vrai, il s'est excusé, il me fait pitié, mais... T'es nul, gros. FDP, débanne-moi. Je vais rejeter. Ouais, zéro, jamais goûté. Moi, deux. Là, il a spammé. Ah non, il s'est fait bannir une seconde. Et The Bignot l'a ban, def. Point d'interrogation. Bon, je lui enlève le ban parce qu'en soi, c'est un micro-spam, quoi. C'est 4 messages. C'est vraiment parce qu'on faisait... C'est sûrement quand je dis, ouais... Si je dis, par exemple, si vous préférez Pepsi, tapez 1. Si vous préférez Coca, tapez 2. Et genre, il voulait vraiment à tout prix montrer qu'il préférait un truc plutôt qu'un autre. Et il a un peu spammé. Et il a pas compris pourquoi. Je vais lui expliquer. Gros FDP, s'il vous plaît, fausse touche. Oh putain, mais c'est légendaire ce qui se passe. Oh. Ah, je suis putain de mort. C'est un génie, j'ai envie de le déban. Ah, j'ai envie de le déban. Je vous jure, juste pour la blague, venez, je le déban. Venez juste pour la blague, je le déban. Allez, je l'unban juste parce que c'est drôle. Moi, bande de frites, j'en veux one. Moi, à banni, je suis banni sans aucune justification particulière. Je l'unban ou je le ban? J'allais l'unban en lui disant aussi, t'as spammé, mais le refais pas. C'est des bans, ça, en vrai. Allez, des bans. Ah non, 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 non. Ok, non, pardon. Non, non, non. Les amis, il faut que je vous montre. C'est lui. Voilà. C'est pour ça qu'Eversax l'a banni. C'est lui. Voilà. C'est lui. Sans raison particulière. J'ai failli l'unban. C'est banni. Non, ça va. Bon, là, il s'est fait bannir à cause de ça, je suppose. Salut, man. Mais il est full bourré ou quoi? Attendez, on est tombé sur le mec le plus foncedé de l'univers. Oh, les gars, on est tombé sur le mec le plus foncedé de l'univers francophone, quoi. C'est. Salut, man. Mais il a pas compris le principe ou quoi? Non, je le débanne pas parce que vraiment, ça se voit, il comprend rien. Et je rejette son truc, mais je lui dis quand même salut. Mais le mec comprend tellement pas qu'il va recommencer à spammer des trucs comme ça. Alors, c'est où pour voter? Ou c'est vrai, t'as bien changé depuis ça l'FDP? Ça part vite hein, chez vous, hein. Putain, vous êtes des. Vous êtes des sauvages, hein. C'est ouf. Zizi, ta gueule, enculé. Désolé, j'arrête, s'il te plaît, je te jure. Le chef suce-moi. C'est ban. 7 minutes. Oh, il y en a un nouveau. Je voulais savoir, ça faisait quoi de se faire ban car je m'ennuyais. Désolé pour la perte de temps. Bah, je m'en bats les couilles. C'est bien, maintenant tu sais. Maintenant tu sais. Ah, mais au moins maintenant il sait. C'est drôle. C'est drôle, putain.